boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? Yo les gars, c'est les locales. Et on se retrouve en deux pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Yeah! Donc, bah, Bimax jouera comme d'habitude parce qu'on n'arrive pas à jouer sur PS3. Et donc, il jouera sur Xbox. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Oui, un tout nouveau concept. Ça sera des tutos. Et on va commencer avec. On commencera cette série. Donc, alors, on trouve que sur ce Black Ops 2, nous avons des classes et des atouts qui favorisent un comportement de campeur. Et nous trouvons que les campeurs sur ce Black Ops 2 ne sont pas aussi perfectionnés sur la nouvelle 3. Que sur la nouvelle 3. Du coup, on se dit, du coup, tiens, pour tous les campeurs, on va vous montrer comment faire. On va vous montrer comment il faut jouer. Donc, déjà, tuto cupute. Voilà. D'accord. Déjà la classe. La classe, qui est très importante. Alors, on vous conseille une grosse mitrailleuse. Mais en fait, on n'a pas encore débloqué des accessoires, donc on va pas utiliser cette classe-là. Mais pourquoi nous leur conseillons une grosse mitrailleuse? Tout d'abord, la mitrailleuse a beaucoup de munitions. Il est donc facile de ne pas recharger, les dégâts sont importants, et la précision aussi reste en viseur fixe. Voilà. L'inconvénient d'une mitrailleuse est le fait que c'est très lourd, une mitrailleuse, mais vu que nous camperons, nous n'avons pas besoin de courir. Ensuite, les accessoires. Béthie, pourquoi? Pour couvrir notre bras. Pour couvrir notre fesse, notre fessier. Et des bâtons électriques. Pour favoriser la puissance de la Béthie. À tuer l'adversaire. Donc voilà. Et deux bâtons électriques si possible, comme ça tue l'adversaire. Bim. Ensuite. Vas-y, prends la classe Pupute 2. Commence avec Pupute 1. Nous commencerons avec celle-là. Quand? Tout d'abord, là. Alors, on trouve un endroit de passage. Très utile, un endroit de passage important, et nous mettons dans un angle. Et nous ne bougeons plus. Non, change un peu. J'aime pas trop cet angle. Cours pas trop, hein. Donc voilà. Là, on s'en est bien. Ah, il s'est fait tuer, c'est pas grave. Vas-y. Alors, trouve un angle pour protéger même. C'est trouve un angle pour protéger B. Ici, bien évidemment, une fois que nous avons trouvé l'angle, là c'est très bien, il va passer. Reste là, bouge pas. Une fois que nous avons trouvé l'angle opportun, mets les bâtons électriques sur le comme ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait, le méchant? Ah, il avait eu aussi une bêtise. C'est pas grave. C'est un très beau campeur. Nous allons prendre le point. Oui, voilà. Et donc, quelques conseils à jouer pour jouer. On vous fera des tutos supplémentaires sur ce concept aussi parce que on vous fait cette vidéo parce qu'on manque depuis beaucoup et on se sent qu'en fait on doit faire une vidéo, on faisait plus de 2 vidéos par semaine, on en fait une toutes les 2 semaines si on a le temps. Donc on vous propose ce gameplay. Le concept, on va l'approfondir et on fera plus de vidéos dans ce genre. Dans ce concept. Et bon, c'est pas très facile, hein, après, ça dépend des adversaires. T'aurais pas dû lancer de la demi, mec. Donc, après là, il a pas eu les bons accessoires, c'est pas top. Vous savez quoi? On va arrêter et on va recommencer. Non, on va prendre la classe Pupute 2. Pupute 2? Ça, c'est une très bonne classe Pupute. Alors, bien évidemment, le détecteur de cible est un excellent viseur. Voilà, il faut qu'on trouve un bon endroit pour camper. Mets-toi là dans la maison. Là? Ouais, cette maison là, il y a du monde qui passe. Protège ton derrière. L'hélicoptère stealth nemico in arrivo. Quand même. Voilà. Tu prends le point? Non. Attends qu'il spawn par là. On attend. Voilà. Prendiamo. Vous verrez que c'est un gameplay passionnant. Avec beaucoup d'action. On s'amuse énormément à faire ce gameplay. C'est très drôle. On adore jouer comme ça. Oh, nos coéquipiers ont pris ce point là, donc il ne faut pas spawn par là. Changeons d'endroit, bien dit. Prenons nos accessoires. Oui, voilà, quand un coin ne marche pas trop bien, il va changer. Donc, en général, quand il y a un aéronef, ça favorise le campement. Parce que
que dans notre campement, on est à l'abri. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait devancé. Ouais, camp devancé. Nous avons pas. Oh là là, on n'arrive pas. Là, c'est très méchant. On n'arrive à rien faire. Je suis désolé. On espérait faire un tout un peu meilleur, mais bon, Yémen, c'est pas le meilleur des. C'est pas le meilleur. Alors, pour la classe. Donc, nous avons dit la grosse mitrailleuse avec détecteur de cible. N'ayant pas une grosse mitrailleuse détecteur de cible, bah, on utilise un peu la poêle. Ensuite, qu'est-ce qui peut être utile? Un silencieux. Un silencieux pour ne pas être repéré et pouvoir camper tranquillement. Quelques conseils. Une fois que vous avez tué un adversaire, changez de lieu. Restez par exemple dans la même. Par exemple, si là on va tuer un ou deux d'ici dans la maison, en viseur fixe, sur C, on propose après d'aller dans une maison un peu à côté. De se mettre par exemple en bas, derrière, en gros de trouver un autre endroit qui, comme ça, si quelqu'un vient, si quelqu'un essaie de venir vous déloger, vous partez. Il vous prend pas, mais tu pars en soi, en gros. Donc l'important pour une campouse, c'est son ratio. Donc tu fais du combien là? Pour l'instant, je fais pas du positif, mais ça va. Il a bêté, il a bêté, mais voilà, très bien, bien joué. Tu as mis Chacal? Non, mais je l'ai pas débloqué. Ah bah. Donc là, nous allons bientôt débloquer notre gardien, qui est un score de campeur, qui est très utile pour camper. Pour camper, oui, pour protéger, pour empêcher les adversaires de venir. Vous voyez que je reste toujours dans la même zone, ce qui s'appelle camper. C'est temporisé selon les termes. Camper, comme on dit. Alors, autre chose de très important, donc les atouts. Cette classe-là, la suivez pas trop, elle est pas top. Celle-là est pas mal. Alors, les atouts. On vous conseille fantôme. Tout d'abord, s'il y a des drones, fantôme, vous serez moins vu. Pour une mitrailleuse, poids léger, pour être un peu plus. Bon, ou poids léger, ça dépend si vous voulez un tout petit peu courir, ça peut être utile, mais. Vu qu'on va, théoriquement, on va camper un peu plus, on propose gilet pare-balles. Comme ça, si on essaie de vous déloger à la grenade, vous ne pourrez pas. Ensuite, masque tactique, à tous deux. Vous pouvez mettre chacal pour récupérer vos bêtises et vos bâtons électriques, ce qui peut être très utile. Ou bien la robustesse pour réussir à me tirer. Ouais, j'ai fait. Ensuite, vous pouvez mettre. Bon, on a tous deux, il y a pas mal de choix. Il y a sang-froid, on peut mettre sang-froid, qui est très utile pour ne pas être vu quand l'adversaire fait un score strict. Là, je fais du 4-4. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut. Bah, en fait, il y a plein de trucs hein, dans atout 2. Ensuite, pour atout 3, dextérité à payer utile, vu que normalement, en fait, il n'y a pas besoin. De. Ouais, c'est que j'arrive pas à les camper là. Il n'y a pas besoin d'un nombre de viser rapidement. Donc, c'est un peu inutile d'extérité. Comment ça s'appelle là, la tour? Condition extrême est aussi inutile vu que vous n'avez pas besoin. Là, cette partie est assez chiante, on ne peut pas camper tranquillement. Bah, on n'a pas trouvé la meilleure des parties pour tout le monde. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut. On a tous trois, qu'est-ce qu'il y a? Ingénieur. Non, franchement, je ne sais pas trop ingénieur. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Masse tactique, c'est le seul à tous trois un peu utile pour éviter de se faire. IEM de se faire flash en ensuite qu'est-ce qu'on peut dire pour ce tuto? Alors les déplacements sont très importants. Comme vous avez remarqué, les déplacements sont fondamentaux dans la camp. Le mec qui s'est fait défoncer grâce à un bâton électrique. Donc pour les déplacements, pas besoin de la force de monsieur le Vicomte, celle-ci est inutile vu que les déplacements seront. Il ne faudra pas contourner l'adversaire. Mais belle série. Chapeau. Et on revient positif. Change. Oh, ils ont un Warthog, c'est pas bien. On a dit, il vaut mieux que tu changes parce que ça va peut-être être là.
Voilà, le gardien. Regardez, ça va être très marrant. Non, on va vraiment faire pouvoir rentrer. Vous avez vu? Le gardien est le scorestick des campeurs. Il est fondamental. Oh, il est déjà détruit. C'est bien que j'ai mis. Dommage, dommage. On peut commencer à faire un bel set. Bon, retournons en campé ici. Bah, en fait, les résultats de la partie dépendront beaucoup de vos coéquipiers, parce que vous en campant, c'est sûr que vous n'allez pas prendre des drapeaux. Mais seulement, bah, il faut espérer que vos coéquipiers soient forts. Donc, ce qui n'est pas le cas. Partie de merde, ce que je vous propose, on en refait une, non? Ouais, vas-y, on en refait une, pas en demi. On change de mode de jeu, ouais. Mais voilà, demi, c'est pas top top. Vous avez vu le score, même avec des adversaires qui étaient plutôt bons, et des coéquipiers plutôt très nuls, et ben le ratio n'est pas mauvais. Il est à peu près correct. Il est négatif seulement de 2, donc. Vous avez, les campouses réussissent à garder leur bon ratio. Oui. Donc maintenant. Lance un truc assez court. Lance une MME. Mais c'est pas bien pour camper. Bah si. Tu veux mettre quoi? Point strat, c'est le mode des campeurs, mais ça c'est un peu obligé de faire du point de camper dans point strat. Tommy, c'est bien. Bon, pas trop. Ou du... Lance un... Attends, vas-y, on remonte un peu la classe. Ou au pire, on laisse tomber... Non, vas-y, faut qu'on fasse autre chose. Va sur... Lance quelque chose et après tu regarderas la classe. Lance pas de la demi. Mais si. Ça, c'est long. C'est trop long, on a déjà fait 10 minutes de vidéo. Regarde, si on arrive en cours de partie, c'est parfait. Oh, hijacked, parfait. Nous allons camper dans une des maisons ou souterrain. Ouais. Souterrain, il n'y a pas beaucoup de monde, donc comme dans une des maisons. Oh, très bon, la partie vient de commencer, donc vous aurez un gameplay plutôt long. Non, mais pas ça là. Ça, c'est inutile. Je vais camper là. Tu campes où? Là? Voilà, nous campons. Non, mec, c'est pas top top là. Va protéger les montants la maison, dans le top d'ici. Prends-t'es, c'est pas grave. Il les aura laissés là-bas au cas où ils essaient. Ah, quel train. Dommage, j'ai one shot. Bon, vas-y, tu en deux balles. Attention. Très important. Bon, on va un peu parler de la classe. Donc, on va résumer pour éviter de laisser des blancs. Pour résumer, qu'est-ce qui est intéressant? Donc une grosse mitrailleuse ou la FAL qui est très puissante ou une AR. Atout obligatoire, le détecteur de cible. Ensuite, il faut mettre ou un silencieux ou une poignée. Pas la poignée ergonomique, elle est complètement inutile, je sais pas, mais une poignée normale pour vous permettre de... C'est parti, on est dans le spawn adverse, c'est très bien, c'est une très bonne, entrée de camp. On peut faire un massacre. Regardez, on est flash avec Master Tactique. Non mais, t'es pas c'est pas UN. C'est UN. Oh. Oui, j'ai vu, c'est bon. Non mais même, j'ai pas Max Tactique. Elle est pas bien cette classe, elle est pas bien faite pour le tuto. Guardian pronto là. Oh, un gardien, je propose que tu le mettes là. Fais gaffe, il y en a qui arrive. Bah, je dis que là, Donc là, on change de point pour perturber l'adversaire. Prendiamo B. UAV in arrivo. B sotto controllo. Je sais pas du tout où ils sont. Drone d'attacco alleato in azione. Torretta pronta allo schieramento. Perdiamo B. Prendiamo A. Alors, on est en train de résumer, donc les atouts 1 fantôme et j'ai les barbales. Atout 2. À tous deux, vous avez le choix, vous pouvez mettre tout est intéressant, on a tous deux. On rappelle qu'on est en live au cas où, je sais pas. Oui, voilà, on est en live si...
Oui, ben ils l'auront compris avec les. Ensuite, on a tout. 3, on a dit de mettre Mastek, c'est le seul qui est à peu près intéressant. On n'arrive pas à aller à mon campement. Bon, la classe n'est pas très bien préparée, mais comme on vous a dit, on comptait faire plusieurs épisodes aussi de la série. Et donc, si la classe n'est pas très bien, elle sera mieux la prochaine fois. Donc. Tu pourrais, non, de là-bas c'était le meilleur des endroits de camp. Ah, aussi, vous pouvez peut-être, je réfléchis, peut-être à la place du bâton électrique, vous pouvez prendre aussi l'insertion tactique. Ah, moi je l'ai pas débloqué. L'insertion tactique peut être utile si vous, par exemple, là dans ce cas-là, si vous campez au spawn adverse. Pour éviter de devoir courir à chaque fois vers le spawn adverse, ce serait utile d'avoir une insertion tactique. Le spawn adverse est très bien fermé, il y a beaucoup de monde. Nous avons quelques petites préventions. Je ne sais jamais. Oh, tu as une toile. Mélanie, la toile. Tu as vu alléato in arrivo. Non, bah non, ils sont sur la baie, c'est pas... Non, là, c'est parce que... Vous voyez la puissance de la bêtise sur ce bloc au-dessus. Ah oui, mais disons que certains atouts arrivent à accessoires sur ce bloc au-dessus de raid, le campeur. Vous savez tous que les bêtises sont assez énervantes. Et très très utile pour un campeur. Voilà, c'est très bien de les utiliser. Là, vous voyez, en campant, je fais le meilleur score de mon équipe et quasiment de la partie. Tu me passes pas la manette comme ça et vous voyez. Non, merci. Allez. Donc là, nous allons voir un autre type de campeur. Nous changeons de classe, bien évidemment. Bonjour les gens, maintenant. Ce sera le premier gameplay que vous voyez où je ne joue pas. Ça va être exceptionnel. Ah oui, dans cette série. Peut-être l'open ball de Dio. Oui, donc celui qui n'a pas. Voilà, regardez ce campement comme il est. RTXD alléato in arrivo. Non, tu as. Non, je n'ai pas plus de tout pour éliminer. Oh, derrière moi, attends, je vais descendre. Ce n'est pas les objectifs. Ce n'est pas heureux d'un campeur en fait. Et c'est bizarre d'utiliser. Aïe, je me fais tirer dessus. Mais c'est le temps de tir. Attends. Une fois que le temps est mis, nous sommes qui ? Il nous faut ce qu'on aura fait. Allez, lui. Il est mort. On va recharger, on va aller, on va trouver un endroit de camp. J'espère que ce genre de tuto, donc on a plein de tutos comme ça à vous proposer. On a plein de comment camper, comment interagir, comment On a oublié un élément important, quasiment fondamental de la classe. Dis-nous. En arme secondaire. Le très fameux RPG. Ah oui. Le RPG. Oui, le RPG. Ah. Je me fais violer. Merci de niquer ma partie. C'est pas grave. Tout notre classe est un débutant en matière de campeur. Genre, il est pas mort. Arrête, là. Vous voyez le nouveau camouflage que j'ai acheté. Pally Rock. J'ai un peu de mal. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire maintenant ? Vous avez un peu parlé de tout, donc on va vous laisser quand même les 3 minutes qui restent. Sinon, aujourd'hui, on devait participer à un tournoi sniping, mais on n'a pas pu. Oui, le grand tournoi qui était organisé. Aïe, aïe, je sens que ça va faire. Avec 400 euros de lot pour les 3 premiers. On se partageait. Mais bon, on a été éliminés au premier tour parce que... On a eu des problèmes à se rejoindre. Et du coup, on est en retard et on a dû déclarer. Ah, il y en a un derrière moi. Méchant ! Bien joué. Oh, il y en a un autre. Il est en bas. Il est en bas. Il est mort. Vas-y, monte. Monte, t'as les couilles. Il n'en a pas, je pense. Il est mort. Je pense qu'il est mort à cause de ta bêtise mortelle. Oui, headshot bitch. Ah oui, c'est vrai que je joue avec une burn. J'ai rechargé.
Headshot bitch in the bitch, it's good shot. Si je fais bitch, les bitch, oh, bitch, je saute. Oh, je saute, c'est bien les burns. Ouais. Le max est une burn. Oui. Et moi je n'en ai pas, et c'est très bizarre. Hey, je baille, je baille, je baille. Bon, allez, campe là un peu là-haut. Pardon, excuse-moi. Je veux un gameplay où tu campes. Campe comme une. On va les mettre là. Et ça, c'est pas un bon camp. Je l'ai tué. Ah, c'est un Betty qui est. Non, c'est moi, parce que moi je suis le pro et ma Betty c'est ma. Betty elle est pour moi, elle est aussi la famille. B. Allez. Ah, tu fais les combien? Je ne sais pas, mais sinon là je ne m'intéresse pas. Une crêle. Ah, je galère quand même. Oui, je galère beaucoup avec cette manette. Je ne sais pas les tuer. J'ai l'impression d'associer les tuer. J'ai pas trop la gérer. On est 8. Oui, j'ai 8, hein, une très bonne arme. Oui, en plus il y a l'arme qu'il y a. Regardez. Regardez, quelle chance. Le destin. Bim. Ah, mais ça ne rentre pas les limites. Suis-je bête? Recharge en page, il n'y a plus de munitions. Alors, oh non, je suis mort. Je fais du 20-16. Hein. J'ai gardé. Cela reste potable, même si tu vas niquer mon super ratio. Ouais, je vais pas niquer en tant que positif, il y en a. Bah, quand même, j'ai quand même un ratio de 1,50, quoi, je veux dire. Il y a un moment. Oh, quelqu'un arrive. Méchant. Oh non, bien joué. Il a mis sa bêtise à ma place. Voilà le principal. Aïe aïe. La faille des campeurs se faire tuer par ses propres équipements. Non, je me suis pas fait tuer. Mais... Si, tu t'es fait tuer par ta bêtise. Non, c'est l'autre qui a posé une bêtise. Ah, oui, regarde, lui, c'est un très bon campeur. J'aurais dû garder la quelqu'un. Oh là là, il a des mitras. Les grosses mitrailleuses, évidemment. Bien évidemment, c'est lecteur de tir, il avait une bêtise. Mais pourquoi il meurt pas? Aïe! Je me suis pas habitué à cette manette. Ne trouve pas des. Frisbee! Non, on n'est pas les meilleurs concours. Regarde, monde, hein. Regardez-le. Et voilà, la perfection. Regardez ce que vous avez dit. Gilet pare-balles, il était. Donc, à la fin de cette partie, on va lui envoyer un gentil message en lui disant. Vas-y, on lui envoie tout de suite. Comment en il s'appelle toi? Comment il s'appelle? Je sais pas. Aïe aïe, j'ai pas regardé, zut. Je sais pas. J'ai oublié qu'ils étaient. Cela les prendra. Ah, tu tombes. Oui, nous allons envoyer un message vocal. Oui, mais c'est sur pas qui c'est. Hein? Ça, c'est pas qui c'est. On dit merci la campouse. Merci la campouse, tu sais, pour notre tuto. Branche. S'il te plaît. Je branche le micro là, les copains. Ça parle comme ça. Faut que j'appuie. Oh, j'ai bloqué la C4. Ça parle si je fais comme ça. Non, pas le coup. Ça parle. Non, mais là, tu parles. Vas-y, parle. Allo. Allo. Ça parle pas. What the fuck? Vas-y, parle. Allô? Non, ça marche pas. Ah. Je sais. Ah. Du coup, t'as pas allumé ton casque. Vas-y. Bonjour. Merci, nous remercions la campouse à la triée premièrement qui nous a permis de. qui nous a permis de, d'argumenter notre tuto sur la camp, sur ce Black Ops 2. Nous vous remercions, cette vidéo passera sur la chaîne. Merci les gars, je vous aime trop. Bisous, bisous. Nous remercions surtout la campouse aux mitrailleuses en diamant. Au revoir. Bon, voilà les gens, c'était notre premier tuto, on espère que la vidéo sera pas trop longue et qu'elle vous plaira un minimum. Sinon, on vous dit quoi? On vous dit ciao, à la prochaine. C'était Bimax, I et Gab. Yeah, allez tchuss. Bisous sur les fesses et sur les aisselles. Voilà. Comme ça, on est propre. Check. Check. En fait, là, je viens de le taper, mais ça, on sait pas. Bon, allez, ciao les gens. Ciao.